Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jonathan. Bienvenue sur cette vidéo ainsi sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Call of Duty Black Ops Cold War. Je vais vous donner quelques astuces pour monter de niveau rapidement. La première astuce que je vais vous donner, ça va être tout simplement de monter les camouflages de vos armes. Pourquoi monter les camouflages de vos armes? Parce que les camouflages, en fait, ça vous rapporte des XP. En fait, c'est des défis qui vous rapportent des XP. En effet, il est assez facile de faire les camouflages de ces armes. Et ça vous permet d'XP assez rapidement. L'autre conseil qui suit, qui est du coup directement en lien avec les armes, c'est de varier les armes avec lesquelles vous jouez. En effet, plus vous jouez avec d'armes différentes, plus vous avez de camouflage, plus vous débloquez d'accessoires, et plus vous gagnez d'XP. Je vous conseille de jouer avec des séries d'assistance et des séries pour lesquelles vous n'avez pas besoin de contrôler. Je m'explique. Par exemple, un drone ou un anti-drone, ça va vous rapporter beaucoup d'XP parce qu'à chaque élimination qu'un de vos coéquipiers fait pendant que vous avez lancé votre drone, vous gagnez 10 XP. Pareil pour l'anti-drone. Je vous conseille aussi de jouer avec la tourelle automatique, elle se débloque assez rapidement, 1800 points, et elle vous permet de faire des éliminations sans pour autant être obligé de la contrôler. Pourquoi des éliminations qui avec aussi peu de points? Aussi parce que vous pourrez les lancer plusieurs fois par partie, contrairement aux éliminations les plus grosses, hein, notamment l'hélicoptère de soutien par exemple, la DAV ou encore l'avion d'assaut, qui elles, vous êtes sûr de les débloquer environ une seule fois par partie, donc vous ne les relancerez pas souvent. Alors oui, elles vous permettront de faire du kill, mais vous ne les lancerez pas souvent. Autre atout de ces séries de points-là, c'est qu'elles vous permettront d'aider vos alliés à gagner les parties. Et oui, parce que gagner les parties, c'est très important, ça vous fait gagner plus d'XP que si vous la perdez. Et c'est pour ça qu'on en vient sur un autre point très important, il faut jouer les objectifs. Que vous soyez un éliminé confirmé, où vous devez ramasser le plus de plaques possible, ou en domination, capturer le plus de drapeaux possible, tout simplement parce que ça va vous permettre de gagner des XP à chaque objectif pris. Essayez aussi de faire le plus d'éliminations possible avec des tirs dans la tête. Alors déjà, ça sera plus rapide pour vous. Forcez-vous vraiment à faire des tirs dans la tête. Et en plus, ça vous donne un petit boost d'XP supplémentaire. Faites aussi le plus longue série possible d'éliminations, je m'explique. Parce que quand vous faites des séries d'éliminations, vous gagnez des médailles. Par exemple, les médailles au bout de 5 éliminations, 10 éliminations, 15 éliminations, et ça vous rapporte aussi de l'XP ces médailles-là. De manière générale, de toute façon, essayez de faire des médailles. Alors, médailles, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Par exemple, vous pouvez aussi vous amuser à détruire les avions espions ennemis, les avions anti-espions ennemis aussi, ça vous rapporte aussi des XP. Un autre conseil que je vous donne, c'est de vous rendre dans les défis et d'essayer de faire le plus de défis possible. En effet, les défis vous rapportent des XP et plutôt beaucoup d'XP. Le palier 1 de la plupart des défis vous rapporte déjà 500 XP, ce qui n'est pas négligeable quand vous en faites beaucoup. C'est un apport considérable. Vous avez même des défis qui vous rapportent 10 000 XP si vous finissez tous les défis d'une même catégorie. Par exemple, pour les maîtrises d'opérateurs. Si vous arrivez à faire les 6 défis, vous gagnez 10 000 XP. De même, n'hésitez pas à varier les modes de jeu. Alors là, c'est un peu à part, mais par exemple, le zombie, parce que le zombie vous fait aussi gagner de l'XP pour le multijoueur. Déjà, c'est fun, et en plus, vous gagnez de l'XP pour le multijoueur. Sur ce Call of Duty-là, l'XP pour le zombie et l'XP pour le multi ne sont pas à part. Vous n'avez pas vos niveaux à part, vous gagnez les mêmes niveaux, les mêmes XP. Donc vraiment, faites-vous plaisir là-dessus, il n'y a pas de souci. Un dernier point très important, prendre les objectifs, par exemple en domination, ça ne vous permet pas que de gagner des XP, mais ça vous permet aussi de faire plus de kills, tout simplement parce que soit en défendant les objectifs, soit en prenant, ça vous permet de savoir où vos ennemis vont réapparaître. Les amis, comme vous avez pu le comprendre, il y a énormément de façons de gagner de l'XP sur Call of Duty Black Ops Cold War, en règle générale même sur tous les Call of Duty. En fait, la chose la plus importante, c'est de ne pas hésiter à changer d'équipement, à changer d'arme, à faire des défis, aller régulièrement voir si de nouveaux défis sont disponibles, qui je pense arrivera avec les saisons. Aussi, très important, il faut jouer l'objectif, que ce soit de la MME, si c'est de la MME, faites le plus d'éliminations possible. Si c'est de la domination, capturez le plus de drapeaux possible. Enfin, peu importe, que ce soit des modes de capture d'objectifs, un peu. Dans tous les cas, jouez le plus possible l'objectif. Jouer les kills, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui va vous aider à monter de niveau rapidement. Alors oui, je suis d'accord, il faut pas non plus détruire votre ratio, évidemment. Hein. Mais jouer l'objectif, ça peut au contraire vous aider pour faire de bonnes parties. Les amis, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mes dernières vidéos ces temps-ci.
Je sais que celle-là aura été très rapide, mais j'avais pas non plus énormément de choses à dire. Voilà, la seule chose, c'est qu'il faut aussi du temps, hein. Pour gagner de l'XP, il faut aussi du temps, il faut passer du temps sur le jeu. Évidemment, c'est logique, il n'y a pas non plus de solution miracle qui va vous faire gagner 40 000 XP par partie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à la prochaine.